tout le monde, c'est Juju GZN et j'espère que vous allez bien. Alors, je me redresse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo What Actu, puisqu'il y a un article qui est sorti sur le site de World of Tanks, mais pas que, puisqu'on a eu des petites rumeurs, des petits bruits de couloir sur certains sites sur une vente aux enchères. C'est officiel, cette vente arrive bel et bien, puisqu'elle débarque sur le jeu à partir de demain, donc le 24 janvier, et ceci jusqu'au 28. Vous allez pouvoir accéder à des chars exceptionnellement rares, d'après Wargaming. Donc ce sont des enchères spéciales avec des lots spéciaux. Donc voilà, donc, du 24 au 28, vous allez pouvoir accéder aux votes aux enchères. On a une petite vidéo qui nous est proposée sur le site de World of Tanks. On va la regarder ensemble parce qu'il y a peut-être deux informations qui font qu'on peut deviner les chars qui vont être présentés sur cette vente aux enchères. Donc c'est parti, let's go. Donc mesdames et messieurs, quelles sont vos offres? Donc les enchères font leur retour le 24 janvier, 5 jours, 5 lots. Rangs différents, mécaniques différentes et même un nombre de canons différents. Alors là, ça peut laisser présager quelque chose. Je me suis baladée un petit peu sur les sites et j'ai trouvé, sur The Armored Patrol, vous savez que j'aime bien regarder un petit peu partout, quelque chose qui me... voilà, qui m'interpelle. Et c'est ce petit Tisu 122-2 qui a deux canons. Et là, quand on regarde la vidéo et qu'on lit bien, avec un nombre de canons différents. Donc on se dit, pourquoi pas le petit Tisu 122-2, donc le char russe TD tiers 8, à mécanique à double canon. On se dit, why not? Je pense que ça peut être un char qui fera partie de ces ventes aux enchères. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous voulez plus d'informations. Alors, comme je l'ai dit, hein, toujours, je n'ai... D'accord ? Je n'ai mis aucun équipement sur le char pour pouvoir avoir les stats vraiment brutes. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vraiment les informations vous intéressent. On continue sur la vidéo. Donc, nombre de canons différents. Mais tous ces lots ont une chose en commun, ce sont des chars précieux, chacun à sa propre manière. Un des lots est un nouveau prédateur alpha. Il combine à merveille, mobilité, blindage et puissance de feu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Des propulseurs! Eh bien, les propulseurs, ça peut amener à quelque chose. Et oui! Le BZ-72-1, le chinois tiers 10, qui a cette mécanique de propulseur de fusée. Donc, pourquoi pas voir ce char sur les ventes aux enchères qui arrivent à partir de demain. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'un des chars proposés pour cette vente aux enchères? On va continuer la vidéo. Donc, d'autres lots comportent de nouveaux arrivants que vous pourrez récupérer contre des pièces d'or ou des crédits. Les enchères donc seront ouvertes, c'est-à-dire que vous pourrez suivre les offres rivales et modifier vos enchères. Si votre offre ne l'emporte pas ou que vous l'annulez, vous recevrez l'intégralité des ressources. Et si vous la gagnez, vous ferez partie des heureux élus à posséder un véhicule rare. Donc, ceci se passe chaque jour du 24 au 28 janvier. Il y aura bien plus d'enrichisseurs que de l'eau, hein. C'est ce que nous dit World of Tanks, mais bon, comme d'habitude. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vraiment regarder ce qui va s'y passer. Est-ce que vous pensez que ces deux chars vont y apparaître? Moi, j'y pense fortement. Et quand on regarde la liste, alors là, par contre, la liste qui comment, parce que bon, on fait un petit tour sur le site pour que je puisse vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a quelques jours, donc je vais vous le mettre en français, fuite des enchères d'hiver 2024. Nous attendons avec impatience la vente aux enchères habituelles la semaine prochaine. Donc cette semaine, il peut y avoir des changements mineurs sur les chars. En tout cas, voir le dernier post, donc cliquez ici, peut-être même qu'un
vos 10 sera mis aux enchères. Donc moi, j'ai pensé au BZ par rapport au propulseur. Et bien que vous devriez vous attendre à au moins un char old school aux enchères. Donc le char old school, je n'ai aucune idée ce que ça pourrait être. Mais quand on clique sur cette fameuse liste Armored Patrol, on tombe sur celle-ci. Alors comme je l'ai dit, tout à prendre avec des pincettes, les gars. Je ne sors pas d'informations officielles. Ce sont des informations que je trouve sur les blogs. On est bien d'accord. Donc, l'Object 590, c'est un char qu'on peut retrouver actuellement en comparaison sur le jeu et qui pourrait faire son arrivée sur le jeu. Donc, why not? C'est un char russe tier 9 avec un chargeur pour 3 objets rechargement inversés. Donc, pourquoi pas. L'Object 452K, qui est un russe tier 10, pareil, c'est un char qu'on peut retrouver dans les comparaisons sur le jeu. Donc il y a le Lisu 122 russe tier 8 TD Premium avec cette mécanique à double canon, donc qui pour moi a une grande chance de faire partie de ces ventes aux enchères. Et le BZ-72-1, donc tier 10, avec cette mécanique à propulseur de fusée qui pourrait, pour moi aussi, faire partie de ces ventes aux enchères. Donc voilà cette liste. Celui-là, on le compte pas, c'est un tech tree, donc ça compte pas. Mais voilà, en gros, pour moi, les chars qui pourraient... le 452K, j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi et on me sort la même chose. Ce sera peut-être plus un char pour la campagne de char. Donc à voir. Par contre, le char old school, moi c'est ça que j'aimerais bien savoir de quel char on parle. Vraiment. Donc vraiment, préparez tout, vos creds, vos golds. Vraiment, préparez tout si vous voulez... Et bah participer à ces ventes aux enchères. Je croise les doigts pour que vous puissiez obtenir les chars que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous visez. Et demain, donc c'est-à-dire le 24, parce que moi là je vais poster cette vidéo donc aujourd'hui le 23, mais le 24, n'hésitez pas à revenir sur ma vidéo et à me dire ce que vous voulez, si vous avez obtenu votre char ou pas, pareil jusqu'au 28, n'hésitez pas à revenir sur ma vidéo et me mettre si vous avez obtenu vos chars ou pas du tout, ou alors sur le Discord que je laisse à votre disposition, mettez-moi un screen si vous avez obtenu vos chars ou pas, si vous avez mis des enchères ou pas. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse ici, il y a des vidéos qui vont arriver les gars, vraiment j'ai des projets plein la tête et c'est trop cool. On continue sur les Clip of the Week tous les samedis à midi, donc j'ai regardé cet horaire là du coup parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Et merci encore à tous les streamers vraiment de m'envoyer vos clips les gars, ça fait plaisir vraiment d'être soutenu comme ça, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, parce que voilà, il faut que j'augmente mon nombre d'abonnés, c'est très important pour moi. Donc si ce n'est pas fait, ça ne coûte rien, c'est gratuit, il y a juste à vous abonner et moi voilà, ça m'aide en plus. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao les gars.